Yahoo Beauty Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi. Et on va parler de The Capricious Love is Moderate. Donc en ce qui concerne ce Yaoi, nous sommes sur un one-shot des éditions Boss Love dans leur collection Anna. Nous sommes sur une œuvre qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. L'œuvre date de 2015 au Japon et de juillet 2017 en France. Oui, je sais, il y a du retard. Oui, je sais. À cette époque-là, j'étais pas encore à... Si, j'avais commencé, mais bon, j'avais eu beaucoup de retard, donc forcément, voilà. Et nous sommes avec Aki no Agi, et je sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas. J'ai un doute. J'avais regardé, promis. Donc voilà, en ce qui concerne l'œuvre, elle est âge conseillé aux 14 ans et plus. Moi, je dirais 14, voire 15 ans. Hein. Faut être proche du 15 ans, je dirais, plus que du 14. C'est quelques mots quand même un peu crus, je trouve, dedans, donc voilà. Et en ce qui concerne le manga, nous sommes avec un chapitre, une histoire, et nous avons que trois couples, donc on a trois histoires différentes. Avant de continuer la vidéo, je viens de me rendre compte en voulant te montrer justement les pages entre chaque chapitre, qu'il y a quand même un petit peu de scène charnelle, on ne voit pas grand chose, mais il y en a, donc du coup c'est plus vers du 15 ans que je t'orienterai, voire début 16 ans, mais pour ceux qui veulent commencer tout en douceur, mais sûrement pas du 14 ans, parce que pour moi du 14 ans ça doit rester sur des bisous. J'en profite aussi pour te dire que si tu n'es toujours pas abonné, à penser à t'abonner, à liker au cours de la vidéo, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à commenter, allez voir dans la barre d'infos pour avoir les liens de mes réseaux sociaux. Donc n'hésite surtout pas aussi à passer sur ma page Utips, car ça y est, j'en ai une grâce à ma meilleure amie Créakimi. Et donc n'hésite pas à aller regarder une ou deux pubs histoire de me participer du coup financièrement à la chaîne et à l'achat de matériel pour de nouveaux projets, et etc. Donc à investir en gros pour la chaîne. Et, en plus ça te coûte juste de regarder une petite pub de 30 secondes et moi ça me fait un petit peu d'argent. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et je l'aime bien dans le sens en fait où... Pour l'avant, on voit donc les deux hommes, on voit qu'on va être avec deux dominants, ça se voit très clairement. Et on, voilà, ils commencent à se déshabiller et il y a le regard vraiment qui joue beaucoup. Voilà. Et l'arrière, on voit, ça me semblait bien, on voit tout simplement des vêtements par terre. Ça, je trouve ça tellement beau, ce genre de photo ou d'illustration. Et le résumé. Voilà. Donc on enlève la jaquette, le coup classique de la collection Anna. Voilà, de Boys Love. Ensuite, quand on ouvre, on se retrouve, je vais te faire comme ça, donc les trois couples. Le premier couple en haut, ce sont donc les deux adultes dont je t'ai parlé. Voilà. Ensuite, celui avec les lunettes et le blond au milieu, c'est la dernière histoire dont je vais te parler. Et eux deux, c'est la deuxième histoire. Ouais, c'est un petit peu dommage qu'ils les aient mis dans ce ordre-là. À savoir qu'ils ne se voient pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout des histoires dans un même lieu ou quoi que ce soit, comme par exemple Junjo. Là, on a repris les illustrations de tout à l'heure. Ça ne me dérange pas. Et une très belle illustration qui correspond au scénario. Ensuite, je vais te montrer donc la deuxième histoire. Voici donc la page... qui est sublime. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais qu'elle est plutôt banale. Et donc voici ma note. Je trouve ça pas des masses oufissimes. Donc voilà pourquoi j'ai mis une note pareille. Alors en ce qui concerne la première histoire, on est sur un mec qui est hétéro, qui arrive à enchaîner les conquêtes, enchaîner les femmes. Et en fait, il se dit... Ben, j'aimerais bien en fait essayer les hommes, voir ce que ça a fait, etc. Sauf qu'en fait, lui va être bien entendu le dominant. Il en parle à un de ses collègues et il lui évoque avoir un ami gay dans ses contacts. Parce que le gars lui dit, celui qui carbure avec les nanas, il lui demande, dit, t'aurais pas un copain gay que je puisse essayer, etc. Donc il lui évoque un nom. Cette personne travaille dans, c'est les vendeurs de costards. Et donc... Monsieur, je drague tout le monde, va le voir, commence à le séduire, elle lui dit directement cash, voilà, je veux tester les hommes, tu me plais, machin. Et seulement le mec lui résiste, donc il va continuer, revenir plusieurs fois jusqu'à en fait ce que l'autre cède. Et malheureusement pour lui, tout ne va pas se passer comme il avait prévu.
Je ne t'en dis pas plus. En ce qui concerne cette histoire, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est assez marrant de voir justement le mec qui arrive à séduire comme ça toutes les femmes et à savoir toutes les femmes qu'il veut, la galérer du coup avec un homme et que l'homme lui soit vraiment lui tienne tête à vraiment un bon moment. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve ça pas mal parce que c'est pas le truc facile, tu vois, comme par hasard, comme d'habitude dans certains hentai où la scène se fait très facilement. Là, non, il y a la résistance. Il y a du caractère dans les personnages, dans les deux hommes, et c'est ça que j'ai su apprécier. La deuxième histoire, on suit des étudiants. Et dans cette histoire, en fait, on suit deux mecs qui sont super proches et ils traînent tout le temps ensemble. Seulement, en fait, tous les après-midi, en milieu d'après-midi, en fait, l'un des garçons va tout le temps aux toilettes et ça dure toujours une éternité. L'autre se pose pas trop de questions, passe son temps à l'attendre devant les WC avec son téléphone et point barre. Seulement, un jour, en fait, il va se retrouver à tomber sur j'allais dire son baladeur, son comment on sait, c'est j'en utilise pas, donc je ne sais pas. C'est des petits trucs comme ça, comme des téléphones où on peut écouter le son, où ça fait que le son. Et en fait, justement, il y a, enfin au départ, il est tenté de le regarder, il se dit, ah tiens, il a oublié. Puis une autre fois, il le voit, ah tiens, il fouille quand même dedans et il voit qu'il n'y a qu'un seul truc et il n'y a marqué aucun titre. Donc là, ça commence à le perturber un petit peu. Et au final, eh ben en fait, il s'est enregistré. En train de le copain du coup celui qui va dans les toilettes s'est enregistré en train de gémir, voilà. Et donc il dit à son copain, il lui avoue en lui disant, ben en fait je n'arrive pas à le faire sans m'entendre gémir, donc je m'écoute en train de gémir d'une autre fois et je donc pour ce qui est de ça a juste été fait pour piéger son copain et voir sa réaction en entendant justement ses gémissements. Et là on voit forcément que ça s'est réveillé, donc il a réussi, il se rend compte que donc ça fait réagir et il lui avoue que c'était faux, qu'il avait juste enregistré pour le tester. Et donc, je te laisse découvrir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Pour ce qui est de la dernière histoire, par contre, j'ai pas trop accroché et j'ai très vite décroché. Pourquoi? Parce qu'on suit des aventures pareil, d'étudiants qui ont. C'est à un moment donné dans l'année, ils tirent au sort les noms et ils changent de place. Et là, en fait, ils ont tiré au sort et ils se retrouvent avec un mec qui a mis beaucoup trop de parfum. Et celui qui est derrière lui, donc, lui dit, bah écoute, je trouve que tu pues un peu, là, t'as un peu abusé au niveau de l'odeur, je préférais celle que t'avais, l'odeur que t'avais le jour de la rentrée scolaire. Sauf que le jour de la rentrée scolaire, en fait, il ne portait soi-disant pas de parfum. Et donc, voilà, après, ils vont jouer un peu par rapport à ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être un fétichiste de l'odeur, mais toujours est-il, j'ai très vite décroché, parce que c'était pas le genre de délire qui m'intéresse. Voilà, mais après, je pense que j'en ai déjà suffisamment dit pour que tu puisses être intéressé ou pas. En ce qui concerne donc mon avis sur le manga en soi, un petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé qu'on soit concentré sur la première ou sur la deuxième histoire parce que j'ai vraiment apprécié les œuvres et je trouve qu'elles auraient mérité d'avoir chacune leur volume. La troisième ne m'a absolument pas intéressé. Donc voilà, dans l'ensemble, j'étais quand même plutôt convaincue vu que j'ai aimé deux histoires sur trois et j'ai vraiment apprécié. La dernière, je ne l'ai vraiment pas du tout aimée et j'ai très vite décroché. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, quand même, 2 points sur 3, c'est pas mal. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas donc à liker, commenter et pourquoi pas partager. Parce qu'en partageant mon contenu, tu me fais découvrir à des amis qui ne me connaissaient peut-être pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve rapidement pour te parler de yaoi car j'ai encore pas mal de yaoi à lire pendant le confinement. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et sur ce, à bientôt. N'oublie surtout pas de sourire. Quoi qu'il arrive, bye!